Ah, c'est silencieux d'un coup. Voilà, on va profiter un petit peu des sons d'ambiance quand même. Déjà, on en a. On se retrouve ce soir pour une petite session Uncharted, Drake's Fortune, premier épisode de la saga. Toujours dans notre Nathan Drake collection qui comprend les trois premiers épisodes, version remastered sur PS4. Rien que ça. Donc dans la session précédente, on a eu l'occasion de faire les 5 premiers chapitres, on est au tout début du 6ème. Et dans ces 5 premiers chapitres, on a eu l'occasion de tomber sur un sous-marin de l'armée allemande, sur des Espagnols conquistadors, sur Gabriel Roman, Roman Gabriel, je sais jamais dans quel ordre ça va, qui a shooté notre Sully, et sur une Elena... à laquelle on tombe parfois, ou elle nous tombe dessus en tout cas. Et après, on ne sait plus trop où elle est. Mais tout va bien se passer. Et vu que je joue à Destiny en même temps, je vais plus me souvenir des touches. Voir. Mais ça va être bien. Pourquoi cette tour est-elle si importante? Ah, genre, j'ai pris des dégâts gratos, quoi. Je me souviens qu'il y a des covers. Secret. Ordinaire. Comment sur les chapeaux de roue? Fais le dire, il y a une voiture. Ok, il y en a un autre par là. Ah, c'était pas ça pour... pour recharger. On se souvient qu'il y avait quelques problèmes sur cette touche. Ok. Il était difficile à voir, mais c'était notre 100ème tir en pleine tête. On commence comme ça. Petit trophée. Point de souci. On va prendre des munitions quand même, parce que c'est pas... c'est pas gratuit. On a moyen d'en trouver quelques-unes. C'est toujours un plaisir. Ah! Ok. Bonjour. Je pensais que je prenais pas le bon chemin, moi. Apparemment si. Ok. Ah, je croyais que c'était la tête là. Genre. Très bien. C'est plus beaucoup de balles. Ok. On est bon pour le moment. On se souvient aussi qu'il y a quelques petits collectibles hein, qui se baladent de temps en temps. Donc si on se retrouve en face de quelque chose qui clignote, faut choper. Par ici, il y avait 2-3 gars, voilà. Ce qu'on veut. Petite munition. Ah, qu'est-ce que c'est? Et petit bashing triangle aussi. Ça faisait longtemps. Ok. Oula. Caméra qui a un peu du mal. S'attendait à voir une caméra partir sur une porte, un petit didi. Mais pas du tout. A mon avis, on a dû ouvrir ce qui était juste en dessous, là. Il devait y avoir une porte ou un truc du genre. La réponse est oui. Je sais pas si c'était fermé à la base. On partir du principe que c'est ouvert maintenant. Fusil à pompe. Des grenades. Pas vraiment ce que j'attendais. On est un peu full hein, niveau équipement, donc on est bien. Bon, du coup, pas du tout ça qu'on voulait. Est-ce qu'on a ouvert autre chose avec notre chaîne ou pas? Où est-ce qu'on peut s'agripper? C'est vrai que c'est un jeu où on s'agrippe. Ah, ou alors la herse, c'était ça? Attendez, est-ce que je perds de la vie si je fais ça? Ça va. Ah, je me suis peut-être trompé sur... d'où je viens. Hein? Oui? Encore ce symbole. Mais quel est le rapport avec la tour?
D'accord. Espèce de grande tour et deux clés. Ah oui, c'est là le symbole. Ne me dites pas que c'est la tour où j'étais juste avant. Ce serait dommageable. Parce qu'on n'avait pas le levier, on n'avait rien. En tout cas, j'imagine qu'il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte précisément. C'est notre objectif. Est-ce qu'on a des passages? Ici, ça a l'air d'être un truc qu'on peut avoir envie d'utiliser. Et il y a une corde. On part vers on ne sait où. Qui part vers là. On va rien faire sur la corde. Ok. Ah, après, je sens bien qu'on peut faire des trucs avec ça là. Voilà. C'est vrai qu'on aime l'escalade dans le jeu. Ok. Là, ça va nous rapporter un collectible, on va être très content. Ah! Le saligo. On esquive. Ok. Petite QTE quand même, hein. On n'avait pas encore eu dans les cinématiques. Ça y est, c'est le moment. Ah oui, on a moyen de gagner du temps. En fait, pas du tout. Ok, très bien. On est pas mal. Cette caméra qui change l'angle de vue là à chaque fois. Ok. On le vit bien. Pas de soucis. On continue par là. C'est pas trop où on va, mais on est chaud. C'est un peu le truc avec tous les jeux où on escalade comme ça. Non! Plus joue une escalade comme ça, c'est que on fait plein de choses. Le personnage a l'air sûr de lui. Mais on sait pas trop où on arrive. Un peu comme les vieux jeux d'aventure au final. T'es plus basé sur tu combines des objets, c'est pas trop pourquoi, mais et tu le fais. Ah, c'est un peu la même. Ça passe. Pardon. Merci. Ravissant. Les clés. Ah, c'est bon, on a une petite corde. Alors, est-ce que ces clés vont nous permettre d'ouvrir la salle avec les clés? Le symbole des clés. On espère. Ah oui, je pouvais. Je peux descendre ici directement. On a vu avant que Drake faisait une petite roulade, mais qu'en aucun cas ça le tuait. Hop là. Cool. Alors, cette petite salle. J'aimerais pas trop être une porte si on me parlait comme ça. Y'a un truc là? Rien du tout. Où est-elle? Petite munition. Oh, petite arène aussi. Ok, bon. Alors. Une Gatling par là.
Comment on va faire? Ouais, super. C'est chaud. Ok. Prends le couvert là. Merci. Regarde la vie. Espèce de jeu de chaîne là-bas. Ok. On va essayer déjà de faire tous les petits Z. Les gars qui se battent comme ça. Oh là là. On est pas petit sur les tirs là. Il y a encore le temps de chauffe. Comment ça va? Ok. Très bien. Plus beaucoup de balles. Oh bah il y avait des munitions là. Pour la peine. C'est pour la bonne cause. Quelques balles en plus. Aïe. Merde. Ok. On va attendre la petite rafale. Pardon. C'est quoi ce vieux spawn? Alors. T'as pas mal, t'as pas mal, t'as pas mal. Alors, je sais pas si on était censé faire ça avant ou après le fight, mais pendant. Ah, ah. J'allais dire, mais la musique est devenue super silencieuse. En fait, non. Pouette, pouette, pouette. Voilà, il fallait juste notre petit gun. Ah. On va faire le combo normal, parce que j'y arrive pas sinon. Oh là non. Malheureux. Ok, on est pas mal. Ok. Bon, le petit flingue nous carie. Comme quoi, tous ces flingues sophistiquées. Les mitrailleuses, les machins. À quoi bon? Ah bah, il y avait un bidon juste derrière lui. On aurait pu utiliser. Ouf, ouf, ouf. J'ai moyennement envie de me faire péter par le bidon, mais bon. On va espérer. Espérer qu'il n'ait pas l'opportunité de nous exploser tout ça. Ok. Je sais pas s'il y a un système de surchauffe ou quoi. On n'a pas de compteur de munitions en tout cas pour le moment. Et la musique s'arrête. Magnifique. On est bon. Où est-ce que ça nous amène? Alors, on passe dans les coulisses là. Ah, ça y est! C'est de nouveau sombre, comme pas possible. C'est pas espagnol ça. C'est anglais. Bah, il manquait plus que ça. Une 153e nationalité représentée. Oh! Fletcher, nous sommes partis à la Grande Tour. Je prie pour que nous nous y retrouvions. Francis Drake. Waouh. La grande tour. Mais qu'est-ce que tu mijotais? Oh là, aïe.
En même temps, tu m'attaques moins cinématique, mon gars. Le respect. Le respect est mort. C'est ouf parce que là, en l'occurrence, c'est une instruction qui est assez simple. C'est-à-dire, on est à la grande tour, il a même fait un dessin. Mode, vas-y, viens. Mais tout est tellement étranger et exotique que même une simple indication comme ça, pour nous, c'est genre une indication du père Fouras, quoi. Pas ça, le grand tour. C'est une grande montagne, par contre, derrière. Hein? C'est quoi ça, là-bas? Ça a l'air d'être un seul bâtiment. Mais un très grand bâtiment. Genre, un niveau. Un donjon. Ça doit être la tour de Drake. Ah, ça va. C'est beaucoup plus proche. On est à côté. Oula, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Voilà. Non. Oh, il rampe. Ça a dû faire mal. Il rampe comme un serpent. Ça va. Ils sont pas mal, je trouve, les ennemis, là. Genre, ils se défendent un minimum. Ils viennent par petits groupes. Ils ont l'air un minimum organisés, un minimum armés. Pas mal, hein. Ils sont pas trop ridicules. Après, bon, y a Nathan, quoi. Je peux sauter comme ça? Ouais, je peux, ouais. J'espérais qu'il s'accroche sur le mur. Mais je serais tenté presque de recommencer. Ah. En visant plus sur la gauche. Ah, on n'y arrive plus, là. C'est beaucoup plus propre avant. C'est pas grave. C'est le prix de la défaite. Ils essaient de me refourguer leur vieux 9mm, là. Leur vieux micro. On n'aurait pas de ces trucs-là. Donc, on va essayer un peu plus sur ce côté-là. Ah, non, non, ça marche pas. Hein. Ou alors, si ça marche, on a un vrai souci. On va essayer un autre chemin. C'est le problème, hein, dès qu'on peut escalader partout. On a envie d'essayer des choses, quoi. En tout cas, c'était celle-là, troisième, beaucoup plus propre, hein. Pas à dire. Ah, ça a l'air bien, ça, là. Ouais, ouais, voilà, on va plutôt sauter sur ce truc-là. Il veut pas. C'est trop haut. Prévendu, c'est trop haut. Ouais, c'est clairement ça, le passage. On le voit bien. On le voit bien, bon sang. Ouvre tes yeux. Je vais passer comme ça. Oui. Ah, faut être un véritable Yamakasi. Autant avant, je disais oui, y a un petit rebord blanc, là où on peut s'agripper, c'est vraiment très pratique. Maintenant, il y a des rebords blancs partout. Forcément. Les gars se sont dit, c'est tellement pratique, on va remettre partout. Ce sera pratique partout. Ce sera génial. Où est-elle allée? Elle a fui. J'ai même plus quelle est la scène où on s'est séparés. Je me souviens qu'on s'est retrouvés, ça oui. Ceci. Mais la scène du... de la séparation ne me revient pas. Ah bah si, si, oui, bien sûr. On n'est jamais retombé sur elle dans la forteresse. Enfin, nous, on l'a vue, mais elle nous a pas vus. Donc on sait qu'elle est là, mais elle, non. Enfin, j'ose imaginer qu'elle se doute que... toutes les fusillades depuis tout à l'heure sont pas par rapport à elle. Vu qu'elle n'y est pas. Oui, c'est bon, tout me revient. Oui, on l'a vu quand on a fait l'espèce de petit message au micro. Ou Nathan, il croyait dur comme fer, il était en mode oui, facile.
C'est bon. Le flashback est complet. La musique. C'est bon. Voilà.